Et Locke qui arrive en haut hein, finalement sous la barre des 30 secondes, mais il est bloqué, hein. il danse, il fait sa petite danse, il adore faire ça en compète généralement, le round d'après il perd d'ailleurs. Ouais. On va jouer à Mount Your Friend, ok? Et là, c'est du vrai skill, mon pote. Les D'accord. gars, on va régler nos comptes sur ça. Le but, c'est un peu à la Quokcha, touche de ta manette correspond à un membre de ton corps. Le but, c'est d'aller le plus haut possible, en fait, en s'accrochant aux autres. Qui commence? C'est Squeezie. C'est moi. Vas-y, go. What the fuck, c'est nul ce que je fais. Bon, au début c'est facile, hein. Donc là tu vois il a 30 secondes hein, pour se placer. Hein. C'est easy, okay. Mais au bout d'un moment il va falloir grimper au-dessus des autres donc. Ok, je suis comme ça. À vous d'escalader sur moi les gars. Ah mais t'as pas les pieds. Ok, donc, à toi. T'as que les mains. Oh ça va être tranquille. Allez, alors. Vas-y. Genre je peux me mettre comme ça, ensuite comme ça, ensuite. Alors t'arrives pas à aller plus haut que moi on dirait. Ah, je me suis cassé un membre. S'il va pas plus haut que toi, il a perdu. Ouais, en 13 secondes. Vas-y, je vais pas prendre de risque, on verra plus tard. Toi qui l'a sorti son poing vers le haut mon pote. Ah bah gros. Vas-y le courage. Allez Locke. S'il se fait éliminer premier tour, je pleure de rire, donc tu le sais. Non, très c'est impossible. Bien. En vrai, c'est impossible. 30 secondes, c'est large de ouf. T'as chier, les gars, c'est archi simple. Ouais, mais tu verras après. Vas-y, maintiens, 3 secondes. Maintiens. Bah alors, ouais. Ça va se corser, messieurs. C'est archi simple, les gars, c'est quoi ce bordel? Ah, ouais, il y a une certaine aisance maintenant. Voilà, à vous, les potes. Ça va commencer à être très très chaud, les gars, au devant. Ça commence à être vraiment très très chaud. On remonte sur nous-mêmes. Ah bah oui. Ah bonne chance, mon cher Locke. Plus le temps passe, plus il va falloir escalader vite, mais genre vraiment vite. Oh là 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 là, il faut aller si haut. Oh là là. Oh, il est bon, Locke. Il est bon. Oh là là, il est bon. Oh le bâtard, il l'a fait. Oh là, vas-y, oui, Locke. Calme, mais vous êtes nuls à chier. Les gars, je vous montre une petite technique. Le gars, quoi, qui se traite timer. Je vous montre une technique. Hop là. Wow! What the fuck, t'as jamais joué, tu vas me dire? Cheater, moi je vais pas sécure, moi je vais pas sécure. Il l'a passé en 4 secondes! What the fuck? Oh! Cheater! Merci Louis pour la petite astuce! Dwagby, va-t-il réussir à atteindre le haut de cette tour? Il lui reste 26 secondes, mais bon, ça va plutôt vite. Oh merde. C'est l'accident. Il lui reste 20 secondes. 20 secondes pour atteindre le haut. Dwagby qui s'est précipité là, qui a pas attendu qu'il y ait une bonne prise. Oh là, bon maintenant. Mais accroche-toi. T'es mort. T'es dans les jaunes maintenant, t'es dans le jaune. Ah ouais, j'ai dépensé 3 secondes de réserve. Ah, t'es dans la réserve. Oh, j'ai dépensé de la réserve. Ok, l'eau claire, let's go. Merde. Et le jump c'est chaud, hein. Le jump c'est pas facile. Hein. Le jump il peut te faire perdre du temps de ouf. Ok, il y va. Ok, il a réussi. Oh là là, cette tour est incroyable, mesdames et messieurs. Ok, c'est parti. Là, je vais te faire un jump, mon pote, tu vas rien comprendre. Le jump, bon, il est magnifique. Oh là 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 là. Merde. Ah yes, le choke. Merde. Il est coincé. Non, vitesse hallucinante. 14, 13, 12, 10, 5, 9, 8, 1, 4, 3, 2, 1, et la réserve. Et là, la réserve, elle encaisse. Allez, vache. Ah non, j'étais nul. Je suis désolé, le chat. Putain, c'est horrible ce qui m'est arrivé. J'étais accroché avec une main et l'autre main, il me manquait genre 1 cm pour pouvoir choper l'autre. Et je suis resté obstiné comme un con. Vous allez voir, ça va vous arriver, vous allez voir les gars. Putain, ouais, ça devient dur là. Ça devient très dur là. Ouais, ça devient vraiment dur là. Ouais, ça devient vraiment dur. Mais accroche-toi, espèce de con. Voilà, et puis la même chose que moi. Dwagby qui perd ses secondes précieuses. De la même manière que j'ai perdu. Dwagby qui s'obstine, qui fait la mais même c'est erreur. Mais accroche-toi. Dwagby. Mais gros, je suis coincé. Qui s'obstine à aller chercher là-haut. Mais gros, alors qu'il devrait chercher à côté. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Qui est dans un mal énorme, malheureusement. Et la réserve hein, qui tombe. Ta gueule. Je te déteste parce qu'il y a 5 minutes, c'est moi qui est en train de sourire. Et toi, je te hais. Face à son destin, c'est chaud. Comment vous êtes nul. Dwagby, qui va peut-être réussir à tenir, mais le prochain round va être. Oh, je te hais. Ça va tellement vite dans ce jeu, le retournement de course. Comment vous êtes nul. Karma Locklear. Karma Locklear qui arrête pas d'ouvrir sa gueule. Attention, Locklear qui va tenter un jump, c'est raté. Voilà. Il est plutôt bien dans ses appuis, hein. On s'est moqué, mais finalement c'est peut-être celui qui va réussir à aller plus loin là ce soir. Il est sûr de lui, il a démarché sereine, les lâchers de prise sont bonnes. Accident. Oh non, non. Même pas la réserve, les gars. Bande de noobs. Ok, Dwagby, tu commences. Est-ce qu'il va tenter le jump? Pas mal. Il a la mécanique, il la connaît. Malheureusement, le corps de tous ces hommes nus le bouleverse hein, dans son épopée. Je mourrai pas maintenant.
Allez, Dogby. Accroche-toi. Oh, c'est la catastrophe. C'est pas fini, Dogby. Il va falloir qu'il jump, il va falloir qu'il lâche les deux mains pour avoir une chance de s'en sortir. Il a pas fait des jumps pour Dogby. Je veux pas résister, je veux vivre, c'est moi vivre. C'est fini pour Dogby. Idiot, Dogby. Idiot. La tour est géante, les gars. Regardez, elle est incroyablement longue. Choke. Aucun choke, mon pote. Quel tryharder, quoi. On sent que son coach a trouvé les mots, hein, durant la pause. Et regardez, on a même le droit. Ouah, mec, j'ai failli méga choke. Mais ça a été rattrapé, bien évidemment, hein, à la force des muscles. Putain, yes! Il le prouve qu'il peut tout simplement monter sans réserve encore. Allez, bonne chance, Leclerc. Bonne chance, mon pote. Nul. C'est pas maîtrisé. Nul. Il a voulu écouter, copier le talent des autres, mais malheureusement, il reste bloqué sur le premier corps. Le bras est coincé entre ses deux tibias. Il a réussi à le décoincer, évidemment. Aïe, 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 il est bloqué par cette jambe-là, cette jambe bien musclée. Il va la contourner. Aïe, 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 il se prend tous les points sur cette partie. J'ai l'impression qu'il va être dans le rouge. Hein. J'ai l'impression clairement qu'il va être dans le rouge. Il se retrouve coincé contre un cul. La tête est dans le cul, c'est bon. Il continue à escalader ses corps. Et Leclerc qui est pas bien du tout, attention cette prise qui n'est pas passée. Il est sur la réserve et c'est fini. C'est fini pour Leclerc. C'est fini. Terminé. C'est fini. Effectivement. C'est fini. On ne peut plus y croire. Le jump de Leclerc. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Leclerc et Squeezie. De ce fait, remporte la victoire dans cette manche d'entraînement. Manche d'échauffement, hein, bien évidemment. Manche d'échauffement. C'était la finale des Worlds, mec. Les gars, oui, c'était l'échauffement, j'ai gagné l'échauffement, maintenant c'est le vrai match et j'ai mis le mode classique. Il y a pas de seconde de réserve. Là, c'est-à-dire que si tu mets plus de 60 secondes à passer, c'est mort instantanément. J'aimerais bien jouer. Ah ouais, voilà, ouais, ça c'est fou ça. Oh, enfin, comprendre certaines mécaniques. Il sait faire le saut sur la tourelle. OK, ah, il sait faire. Mon pote. Allez, c'est parti, Doigt qui va faire ce jump et qui fait toujours le petit salto arabe parce qu'il prend pas d'élan, il a pas compris qu'il faut balancer un bras en arrière avant de se diriger vers l'avant. Voilà, le conseil est passé, j'espère qu'il me laisse rater. Il va perdre complètement 50 secondes. Non, mais toi qui sais, on est tranquille. Mais juste on va éviter les sauts, je pense, je suis pas prêt. Si t'es un bonhomme, vas-y, tu réessayes. T'as peur. Vas-y, saute. Si tu mérites ton succès, vas-y. Tu réessayes. Il a essayé, j'apprécie beaucoup le geste en tout cas. Il a réussi, bien joué. Autour de il est impossible de savoir qui va gagner, hein, actuellement. Regardez, on prend du niveau à chaque séquence. Regardez-moi ce monstre. C'est vrai que c'est magnifique ce qui se passe. C'est vrai que c'est magnifique. Il est fou ce Locklear, il est fou. Et Locke qui arrive en haut, hein, finalement sous la barre des 30 secondes, mais il est bloqué. Hein. Il danse, il fait sa petite danse, il adore faire ça en compète. Généralement, le round d'après, il perd d'ailleurs. C'est vrai. À chaque fois qu'il fait ça. C'est vrai, je me souviens en 94. Aïe aïe aïe, qui troll se prend la marée, hein, c'est bien connu dans cette compétition. Allez, Squeezie turn. C'est beau, c'est tout simplement beau. Voilà. Y'a rien à jeter dans ce gameplay. Rien à jeter, tout est à prendre. On sent la confiance, on sent l'entraînement, l'exigence en fait dans chaque geste. Même le poignet vient travailler sur l'accroche pour permettre au bras de se reposer. Juste regardez et apprenez. Et on remercie Squeezie pour ce gameplay, s'il vous plaît, le chat. Merci Squeezie sur le chat. De rien dans le chat, c'est le tout le plaisir pour moi de vous proposer un gameplay pareil, tout le plaisir pour moi. Encore merci. Et attention, Leclerc qui tente le jump et comme d'habitude, c'est complètement raté. Il vient se frotter une fois de plus au gazon. Mais bon, il continue finalement, il se rattrape plutôt bien. Il a toujours quelques frayeurs, une ou deux frayeurs environ par round avant de se mettre à troller comme un débile. Hein. Aïe aïe aïe. Oh non. Hey, gars, déjà des difficultés. Ouais, ça commence à être chaud. Attention, Leclerc, c'est un mauvais signe ça. Hein. Le premier à nous quitter. Ah les gars, il lui restait que 15 secondes. C'est pas une. C'est rien. Mesdames et messieurs, l'erreur de Leclerc. Ok les gars, je me suis fait jbait sur mon chat, gros. Putain, je me suis fait jbait. On m'a dit que si je sautais et que, tu sais, pendant les 3 secondes. Et tu validais. Mais t'es un et que ça validait. Sérieux. Putain, bon, bande de chiens, vous m'avez jbait. Mais t'as cru ça, gros. Tu t'es fait jbait par ça, gros. Mais ça a aucune logique en plus. Tu veux que la pyramide reste comment? Mais bon, bah oui. C'est même pas du jbait, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise du joueur. Mais je l'avais dit, hein, souvenez-vous, un flashback, hein, dans le best-of pour ceux qui se souviennent pas. Généralement, le round d'après, il perd d'ailleurs. C'est vrai, t'avais call que prochain round après ce qu'il avait fait, il allait perdre. Et t'avais call. À chaque fois, chaque compétition, il nous fait ça, on est habitué, mais bon. C'est incroyable. Mais bon, t'as de la chance que je sois loin de toi. Mais un jour, je serai plus proche. Un jour, je serai bien plus proche. Et mes mains seront au niveau de ton cou. Elles vont commencer à bien serrer fort. Elles vont relâcher. Je la connais déjà, celle-là. Soulever, lâcher, prendre, soulever, lâcher, prendre, serrer. Soulever, lâcher, prendre, lâcher, soulever. Combien de fois t'avais son cou à proximité, t'as rien fait, mec. C'est vrai. Et tu sais à quel point je le regrette. Je
j'aurais pu serrer fort. J'aurais pu serrer si fort. J'ai poussé jeudi à perdre, mais ça l'affecte, hein, ça finit par l'affecter. D'ailleurs, certaines personnes proches de lui, des sources, hein, nous ont dit qu'il a bougé au Canada après avoir été affecté par toutes ses défaites. Squeezie a besoin de ça. Mais c'est en fait, t'en vos gueules deux secondes. T'es mort. Oh là, toi, 4, 3, 2, 1. Je peux pas jouer si tout le monde parle, en fait. Je suis bon au seul jeu où tout le monde s'en bat les couilles. C'est vrai ou pas? Je veux pas te contredire. Je suis bon à l'unique jeu où vraiment tout le monde s'en bat les couilles. Genre vraiment, je vais aller dormir après, je vais même plus y repenser à ce truc-là, vraiment. Ah, c'est...